avec la participation également, on est en co-organisation avec Alternativa Rennes, donc c'est Alternativa Nantes et Alternativa Rennes qui ont préparé l'événement. Et donc voilà, donc y a des représentants de chacune des deux antennes qui sont présents ici. Donc le camp climat, en fait, pour vous faire un petit topo rapidement, c'est la troisième édition qu'on le fait, nous, à Nantes. C'est quelque chose qui existe depuis 2017. Ouais, je suis pas du tout sur la date. À l'échelle un peu nationale. Donc il y en a un peu partout en France. Cette année, il y a eu d'autres éditions à Tours, à Lyon, à Grenoble, par exemple. Et donc l'idée, en fait, c'est de ce camp climat, c'est d'essayer de mobiliser autour des enjeux climatiques, donc de porter un peu en avant, enfin de mettre en avant les luttes locales qui se déroulent, de sensibiliser, mais au-delà de sensibiliser, de faire en sorte que certains et certaines citoyens aient envie de prendre part aussi aux luttes sur les territoires, donc pour lutter justement contre le dérèglement climatique. Mais au-delà de ça, c'est aussi un événement qui se veut convivial, festif. Donc on a, c'est aussi l'idée du camp. On parle de camp climat parce qu'il y a la possibilité, on vous le redira tout à l'heure, mais il y a la possibilité de camper sur place. Et le but, c'est aussi de créer du lien. Et on pense que tout ce qui est mobilisation en faveur du climat, ça passe aussi par des relations qui sont des interactions sociales qui sont saines et qui sont un peu développées, on va dire, pour qu'il y ait une bonne cohésion. Mais en fait, c'est une équipe de bénévoles, il n'y a pas de salariés dans l'équipe du camp climat, donc il n'y a que des bénévoles, et franchement, vous pouvez faire un gros applaudissement pour eux, parce que c'est vrai, eux, parce que du coup, c'est un bon travail, et franchement, pour ça, on félicite aussi notre intelligence, en fait, et tout. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, ouvrir le vêtement.